créateur, il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, la geste infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais oh,
Oh.
Bonsoir frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Je vous transmets les salutations du pasteur Arthur de l'Ouganda, notre frère le pasteur Bernard de Krefeld, le frère Marcel de Krefeld, notre sœur Sarah de Krefeld, notre sœur Danielle de Royan, notre sœur Carole de Canada, le pasteur Orcel de Philippines, notre frère le pasteur Daniel Glineur de Jemap, notre sœur Brigitte Ndo en France, notre sœur Lily en France nous salue aussi, le pasteur Milo d'Haïti nous salue, et le frère Trésor et notre frère Thomas de Bilbao nous salue aussi. Salutations du pasteur Victor de Tamatave au Madagascar, le pasteur Richer de Gros Morne en Haïti également nous salue. Et je n'oublie pas les salutations de notre frère KMB de Kinshasa, qui nous salue aussi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Nous chantons le numéro 1, nous chantons de tout notre cœur, ensemble. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, au des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure où révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confusé, je blanc, oh alléluia, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que
je me brûlais, me triomphant. Oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Alléluia, blanc, blanc, plus blanc que blanc, plus blanc que neige. Mais dans le sang de notre Père et notre Dieu. Auprès de toi, nous nous avançons encore ce soir, tels que nous sommes, notre Dieu, sans rien en nous, notre Seigneur. Nous réalisons notre état de pécheur, mais sauvé par grâce. Cette grâce que tu nous as accordée de pouvoir te connaître, mon Sauveur. C'est toi qui es venu te faire connaître à nous, Seigneur. Nous étions loin de toi, nous étions morts à cause de nos péchés, mais ta grâce nous a suffi, notre Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous soyons fils et filles de Dieu. Seigneur, Satan ne nous laissera jamais tranquilles. Satan s'acharne sur nous pour nous empêcher de pouvoir te rendre un service qui te soit agréable. Satan s'acharne sur nous pour nous empêcher de pouvoir être agréable à toi, notre Dieu. Satan s'acharne sur nous pour nous empêcher de pouvoir te servir, te louer et t'adorer. Mais gloire te soit rendue, notre Père, parce que, Seigneur, là où même nous sommes faibles, c'est alors que toi, tu nous fortifies, Seigneur. Lorsque nous crions à toi, notre Dieu, tu entends nos prières et tu nous exauces, Seigneur. Oh, lorsque nous sommes faibles, c'est toi notre force, mon Sauveur. Quand nous sommes malades, notre Dieu, c'est toi qui es notre guérison. Seigneur Jésus, ce jour-là, sur le bois du calvaire, tu t'es crié, tout est accompli, mon Sauveur. Il n'y a rien, plus rien qui peut nous empêcher de te servir, notre Dieu. Quand nous tombons, notre Père, nous confessons, Seigneur, et nous crions à toi, tu tends ta main, Seigneur, et tu nous relèves, notre Dieu. Tu es celui qui nous pardonne, Seigneur, de toutes nos iniquités, Seigneur. Oh, tu es celui qui lave nos péchés. Tu es celui qui nous rend plus blanc que la neige, mon Sauveur. Quand nos péchés sont rouges comme le cramoisi, Seigneur, tu le rends blanc, plus blanc que la neige, mon Sauveur. Tu es celui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Ce soir, notre Père, nous venons à toi et nous t'invoquons, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus, agis encore dans nos cœurs ce soir. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous délivrer, notre Dieu. Viens nous affranchir, mon Sauveur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que tous les démons soient chassés, que ton nom soit glorifié, que réellement Satan puisse être sous nos pieds, que la victoire soit parmi ton peuple, que les chaînes soient brisées, oh, que les maladies soient guéries. Oh Seigneur notre Père, ouvre nos yeux, Seigneur, afin de contempler ta gloire encore ce soir. Tu es présent parmi nous ce soir. Tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur, et ta présence ne fait jamais défaut. Seigneur, ce soir, ma soeur a besoin de toi, mon frère a besoin de toi, Seigneur, nos enfants ont besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, mon Dieu, de m'approcher de toi avec confiance, mon Sauveur, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Tu ordonnes et la chose existe, mon Père. Viens encore ce soir. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot, mon Dieu, et nos vies seront changées. Nos âmes seront délivrées et nous serons réellement plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as mis ton amour au comble, mon Sauveur. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de te glorifier, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué. C'est pourquoi, Père, par le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur, nous prenons autorité et nous chassons tout esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui tend à nous distraire, tout esprit qui tend à nous affaiblir, au nom de Jésus-Christ, qui sort de ces lieux, nous puissions être libres de te servir, mon Père. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Merci pour la force que tu lui donnes. Oh, encore pour le service de ce soir. Bénis mon frère Zaché, bénis mon frère Rosario, bénis tous mes frères dans le service, au Père. Merci pour la chorale que tu t'as chantée. Bénis chaque frère, chaque soeur, mon Sauveur, mes frères à la technique,
aux instruments, à la caméra, pour l'internet, mon sauveur. Que chacun de nous soit béni, tous nos frères qui sont en connexion ce soir, qu'ils soient aussi visités, que ta parole soit à propos, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, bénis nos enfants, Père, qui chanteront aussi pour toi. Seigneur, notre Père, nous inclinons devant toi et nous implorons ta grâce, mon sauveur. Viens encore agir parmi nous ce soir. Viens nous révéler ta volonté. Seigneur, souviens-toi de nos pères. Il n'y a personne qui est digne, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul, tu es digne, mon sauveur. C'est pourquoi toi en nous, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous voulons réellement t'expérimenter, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. Tu es toi seul qui es parfait. Et toi en nous, tu nous rends parfaits, mon sauveur. Viens encore nous bénir ce soir. À toi seul soit la gloire, la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié et nous te recommandons cette réunion. Bénis tous nos frères qui sont en chemin. Garde-les, protège-les, mon Sauveur, et qu'ensemble nous puissions réellement passer des bons moments dans ta présence, notre Père. Réjouis nos cœurs et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 Asseyons-nous. Nous chantons le numéro 33 dans les fardes. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui, il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, alléluia. De son esprit,
son Saint nom. Alléluia. Jeté dans son sang, il m'a lavé. Alléluia, gloire à son Saint nom. Amen. Les enfants, venez chanter pour la gloire de Dieu. Mon ami, le Seigneur passe aujourd'hui sur ton chemin. Por
Nous chantons le numéro 185 dans les phares. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde. La vie va avec Jésus me procure une joie plus grande et quand je décide. De la grâce et de la paix. Je suis la promesse d'un Dieu parfait. En
Jésus est la victoire, à sa mort esprit à toi. Et du trône de la grâce et de la paix. Oh bien mon frère. Au pied de la croix, faites-vous.
Seigneur nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons lire dans les livres des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 20. Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous, nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'évoquons. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent et il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien, oh oui, donne-moi l'ancien, pasteur, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon, oh oui, donne-moi l'ancien évangile, apôtre, donne-moi l'ancien évangile, oh donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Tu es maître de toutes les circonstances, mon sauveur. Tu es vraiment le Dieu tout-puissant. Oh, l'alpha et l'oméga, comme tu l'as dit, mon sauveur, nous te croyons en notre Dieu. Tu es omniscient, omniprésent, mon Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore aujourd'hui. Toi qui es l'auteur de la vie éternelle. Toi qui conduis encore ton troupeau, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous pouvons le réaliser, Seigneur. Tu es vraiment notre bon berger. Tu nous conduis davantage vers de verts pâturages, mon sauveur. Tu nous soutiens, tu nous fortifies, Seigneur. Tu pourvois pour notre pain quotidien, mon bien-aimé, Seigneur. Tu pourvois aussi pour ta parole, aussi pour nos âmes, mon Seigneur Jésus. Merci encore pour cette soirée. Merci encore pour ces instants bénis, Père, où nous sommes rassemblés dans cet endroit, mon bien-aimé Père Saint, avec tous nos frères et sœurs dans différents pays, différents endroits qui sont vraiment en connexion encore à cet endroit ce soir, mon bien-aimé Père Dieu. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Père. Qu'ils soient aussi bénis, qu'ils soient aussi fortifiés, Père. Oh Dieu, nous voulons réellement qu'ils prennent part aussi à ce que tu fais, comme tu le fais encore davantage, mon bien-aimé Seigneur. Et c'est pourquoi nous nous tenons ici en cet endroit, Père. Oh Dieu, pour invoquer ton nom glorieux, mon bien-aimé Seigneur, parce que ce nom, nous avons la victoire, mon bien-aimé Père Tibissant. Ce nous avons réellement aussi la guérison, mon bien-aimé Seigneur, la délivrance aussi, mon bien-aimé Père Tibissant. Et avec ce nom, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé Seigneur, de ce que tu dois accorder la grâce de revêtir encore, mon bien-aimé, ton nom, encore, mon bien-aimé Père Saint. Loué soit ton Saint-Nom pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur, pour nos enfants qui s'accrochent aussi à toi, Seigneur. Quel bonheur et quel privilège, mon bien-aimé Père Tibissant. C'est vraiment un puissant miracle, mon bien-aimé Seigneur, de voir ce que tu es en train de pouvoir faire aujourd'hui, mon bien-aimé Père Dieu. Louange à toi, mon bien-aimé Père Tibissant, pour ces enfants, Seigneur. Tu es vraiment digne d'être adoré. Merci pour mon frère. Merci aussi pour ma soeur en cet endroit. Merci pour ce jour, mon bien-aimé Père Tibissant, ceux qui ont chanté, Père. Le conducteur de chant aussi, mon bien-aimé Père Tibissant. Chacun, mais chaque frère et chaque soeur, encore ce soir, mon bien-aimé Seigneur, dont le cœur s'est vraiment élevé aussi vers toi.
Maître béni, sois vraiment adoré parce que tu es vraiment digne d'être aimé. Enfin, notre chanteur, que nous pour ta gloire, mon bien-aimé Père Saint, pour ce que toi tu as fait. Seigneur, nous ne pourrons jamais nous lasser de toi, mon bien-aimé Père Dieu. Nos cœurs et nos âmes sont toujours tournés vers toi pour te louer, te célébrer encore, mon bien-aimé. C'est vrai, nous sommes vraiment dans la joie quand nous sommes dans ta maison, mon Père. Nous sommes heureux d'être dans ta maison à toi, Père. Bénis ton peuple encore ce soir. Merci pour ta bonté et ton amour. Car nous t'avons ainsi prié et glorifié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, nous sommes heureux de pouvoir nous tenir dans sa présence glorieuse et en sachant aussi de fond de notre cœur que nous ne pouvons jamais nous lasser de lui. Nous sommes toujours un peuple prêt à pouvoir le servir. Qu'on vienne le matin, qu'on vienne le soir, c'est toujours avec le même zèle. Nous nous réjouissons pour cela. Nous savons qu'il a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne pourra pas passer. Consolés, nous le sommes, parce que c'est celui, effectivement, qui est notre consolateur. Il conduit nos pas, il nous conduit réellement vers de verts pâturages, et c'est cela aussi pour restaurer notre âme, afin que nous ayons cette assurance que certainement que lui, il nous a réellement sauvés. Et l'âme qui paye, c'est celle qui mourra, mais notre âme a trouvé grâce à ses yeux et nous a vraiment sauvés. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs, mais c'est parce qu'il nous a connus d'avance. Et c'est vraiment par sa grâce et par sa préscience. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais nous lasser de lui, pour cet amour qu'il nous a manifesté dans ce temps dans lequel nous vivons, pour être appelés fils et filles de Dieu. C'est vrai, nous sommes reconnaissants à notre Dieu, de sa bonté à notre endroit et de sa grâce, effectivement, qui ne cesse de pouvoir réellement aussi manifester pour que nous puissions aussi réaliser qu'il est vraiment vivant et que sa parole est vraiment aussi vivante. J'ai été touché vraiment dans mon cœur et reconnaissant au Seigneur encore aujourd'hui, dans l'après-midi, pendant que je venais ici, et j'ai reçu un appel, c'est de notre sœur Sarah, donc Hué, la fille de notre frère Marcel, qui se trouve en Allemagne, donc à Krefeld. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Et voilà qu'elle me dit, mes frères, j'ai été vraiment poussé par Dieu à pouvoir t'appeler pour te rendre ce témoignage, bon, pour encourager. J'ai dit, mais j'étais content d'entendre, j'entendais ce qu'elle pouvait me dire. Et il dit, mais en fait, c'est parce que c'est à cause des réunions que nous avons, parce que le Seigneur a fait quelque chose pour nous, c'est que maintenant, nous nous connectons tous les mardis et tous les jeudis. Alors elle dit, voilà que ce qui s'est passé, c'est que à un certain moment, je disais, oh Seigneur, nous nous connecter là-bas le mardi, les jeudis, les enfants seront fatigués. Et puis, voyez-vous, c'est aussi le soir, comment seront les enfants. Alors elle dit, j'étais senti d'abord la première fois pouvoir me dire, bon, je vais quand même essayer, puis avec les enfants, on va voir. Elle dit, frère, quand on s'est connecté mardi, je regardais les enfants, ils ont suivi la réunion jusqu'à la fin. Et le lendemain matin, ils étaient tellement aussi forts. J'ai dit, c'est extraordinaire. Alors j'ai dit, mais on va essayer le jeudi. On essaye le jeudi, la même chose. Les enfants étaient attentifs et ils suivaient la réunion jusqu'au soir, jusqu'à la fin de la réunion. Alors il m'a dit, mais ce qui se passe avec ces enfants, c'est extraordinaire. Ah non, ces enfants sont extraordinaires. Il dit, voilà mon frère, quand on commence la réunion, lorsque tu passes du haut de la chaire, effectivement, pour apporter la parole, chaque enfant a une question. Il se pose une question, effectivement. Il dit, voilà ma question que je voulais un peu savoir comment que le Seigneur puisse me répondre. Et puis l'autre aussi a une question. Alors il dit, frère, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, mais à chaque réunion que vous avez, effectivement, que quand on se connecte et que les enfants disent leur première question, effectivement, tu réponds toujours à la question. Alors il dit ceci, il se passe comme ça. Le premier pose sa question, et puis tu passes, tu prêches, et puis tu réponds à sa question. Il dit au deuxième, il dit, tu vas voir, il va répondre à ta deuxième question. Et il dit, ça se passe comme ça. Et dans chaque réunion, effectivement, que nous nous tenons, les questions qui sont posées sont toujours répondues. Alors il dit, mais aussi ce qu'il y a, ce que nous voyons, quand nous entrons dans l'atmosphère où le Seigneur descend, les enfants se mettent aussi à genoux. Et tous, on sent l'atmosphère, et effectivement, la présence du Seigneur dans la maison, et la vie de ses enfants, et notre vie aussi, a changé. Donc maintenant, il dit, chaque mardi et chaque jeudi, on reste là jusqu'à la fin de la réunion, et le lendemain, on va, effectivement, au travail, les enfants vont aussi, effectivement, à l'école sans problème. Alors j'ai dit, ma soeur, tu as consolé mon cœur. Parce que tu ne savais pas, mon souci était dit, Seigneur, parce qu'on a des enfants à l'assemblée, on a la réunion le soir, les parents doivent vite partir, effectivement. Et quand j'entends ce que tu me dis, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Si déjà, effectivement,
Là, va de loin, les enfants paraissent aussi tard, effectivement, que demain, ils sont en forme pour aller à l'Assemblée, à l'école, pardon, effectivement, à combien pour votre raison que notre Dieu aussi le fait aussi pour le nôtre aussi. Nous croyons que notre Dieu est vraiment merveilleux. Nous remercions notre Dieu pour cela. Nous allons prier pour cela. Précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Dans mon cœur, je suis vraiment touché, reconnaissant, Père, de voir ce que tu fais dans nos frères et sœurs, Père, dans la maison de ma bien-aimée sœur Sarah, Père, que tu puisses vraiment bénir ces enfants. Ah, que c'est merveilleux de pouvoir les avoir, Père. Qu'ils soient bénis, Père, et leur grand-père, leur grand-mère, et leur tante, mon bien-aimé Père, ils sont toute la famille, le papa aussi, Père. Qu'ils soient vraiment fortifiés, mon bien-aimé Père Saint. Bénis ces enfants, Père, oh Dieu. Bénis ma bien-aimée sœur, bénis aussi mon frère, bénis toute la famille entière, bien-aimé Père, oh Dieu. Que ta bénédiction leur soit accordée, le soutien, le secours, Père. Ce n'est pas facile, mon bien-aimé Père, tu es entre là, connecté mardi et jeudi, Père. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Père. Nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion avec leurs enfants partout où ils sont, afin qu'ils soient aussi bénis et fortifiés par toi, Père. Oh, merci parce que tu réponds aussi à nos questions, à nos problèmes, mon bien-aimé Père, oh Dieu, à nos préoccupations. Et tu es vraiment un Dieu parfait. Tu connais réellement nos problèmes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu viens nous aider, Père Saint. Sois donc béni et glorifié encore ce soir. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Notre frère qui était venu et qui est reparti donc de vos sauvegardes, il était vraiment très touché et aussi impressionné. Il m'a dit que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir été chez vous, dans votre assemblée, et de voir l'action de Dieu, et de voir comment les choses se font, effectivement. Il dit, je vais rentrer, quand je vais rentrer, je vais appeler Joseph, frère Joseph Branham, je vais lui dire que vraiment, là, alors nous voulons maintenant vous inviter aussi aux États-Unis pour aussi prendre part aussi aux réunions là-bas, et nous avons le désir de revenir encore ici. Je pense que nous étions là jusqu'au soir, effectivement. Ils étaient là, mais ils ne sentaient pas le désir de voir partir. Donc, ah oui, ils étaient tellement si heureux, ils se sentaient tellement si bien. Mais ça, c'est à cause de l'amour que vous avez aussi pour l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il continue à pouvoir nous aider parce que nous remarquons qu'effectivement, qu'il y a un vent qui souffle, effectivement, où le Seigneur est en train de pouvoir ramener et attirer. Et c'est comme nous l'avons eu à pouvoir l'avoir, c'est le temps de rassemblement. Et le Seigneur est en train de pouvoir réveiller, susciter, rappeler la soif, effectivement, dans le cœur des uns comme des autres, pour que nous puissions avoir ces temps de communion aussi ensemble. Et il ouvre grandement les portes. Je disais à mon frère, maintenant, au Congo, c'est la bataille. Ils disent, mais c'est moi qui dois faire ça pour lui, c'est moi qui dois faire les réunions, c'est moi qui dois, maintenant, il n'y a personne d'autre, parce que moi, je connais. Alors, j'ai dit que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de notre Dieu dans l'action, effectivement, qu'il opère aujourd'hui pour que nous puissions être préparés à ce qu'il est en train de pouvoir faire. Il y a réellement une action puissante de notre Dieu qui est au chemin. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous trouver comme des spectateurs en dehors de choses de Dieu. Nous voulons vraiment être sérieux, être trouvés dans la chose de Dieu, pour que lorsque cette action entre vraiment aussi en action puissante, culminant, nous puissions être de ceux-là que Dieu va certainement manifester. Nous le remercions vraiment pour sa fidélité, pour son amour et sa grâce, effectivement, parce que nous réalisons que davantage il nous ouvre, effectivement, pour que nous puissions recevoir maintenant la parole dans sa profondeur, afin que nos âmes puissent réellement avoir une telle assurance dans les choses de Dieu, que réellement que la parole de Dieu devienne encore davantage, beaucoup plus réelle aussi pour nous, parce que nous voulons être identifiés à lui, être réellement aussi semblables à lui, parce que l'Écriture nous le dit, tel il est, tel nous sommes appelés aussi à pouvoir être. Ce n'est pas en dormant, mais c'est vraiment en travaillant. Ce n'est pas en étant simplement comme les gens avec des paresseux, mais ce sont des vaillants. Amen. Il faut réellement être vaillant et Amen. Être aussi bouillant. S'il y a un temps où il faut être bouillant pour le Seigneur, c'est bien ce temps. S'il y a un temps où il faut vraiment revenir encore à pouvoir prier davantage encore, c'est bien ce temps, mon frère, parce que le Seigneur est en train de pouvoir préparer. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures avec le Vierge sage et le Vierge folle, ainsi de suite, comment est-ce que les choses étaient. Nous devons avoir l'équipement nécessaire pour que le Seigneur, notre Dieu, lorsque le cri retentit, nous puissions réellement être sûrs et certains que nous sommes parmi ceux-là qui ont
de l'huile, effectivement, dans leur lampe. Parce qu'il a dit, en cette nuit-là, deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, et deux moudront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc nous devons être aussi prudents, aussi prêts aussi, nous préparer effectivement dans ce que le Seigneur... Parce que pour nous, nous ne sommes pas comme ceux-là qui partent dans l'aventure, parce que bon, nous partons comme ça, non. Nous sommes de ceux-là qui se préparent réellement, parce que nous savons effectivement ce qui nous attend. Et nous savons aussi effectivement que nous n'ignorons pas en réalité qui est notre adversaire. Et ce que lui cherche, parce que le Seigneur nous attire, lui, il nous tire à l'arrière. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous avancions. L'ennemi est en train de pouvoir réellement nous retarder par des choses. Regardez aujourd'hui le monde, comment il est. Il y a trop de distractions, effectivement. Quand on regarde même nos téléphones, nos ceci et de cela. Mais on est tellement occupé qu'on peut passer pendant 3 heures au téléphone et puis dire, mais Seigneur, je ne me rendais pas compte, effectivement. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça. C'est-à-dire qu'effectivement, que Satan, il multiplie effectivement beaucoup d'événements, beaucoup d'activités. Regardez combien, dans un temps comme celui-ci, nous avons tous des problèmes, effectivement, de quoi? Le stress. On doit courir là, on doit courir ici, effectivement, on vit, mais c'est comme si le temps est tellement si court, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses qui occupent tellement l'esprit, qu'on n'a pas la possibilité d'avoir le temps pour pouvoir réellement s'asseoir et penser au Dieu très haut. C'est pour ça que quand nous avons des moments comme celui-ci, ce sont des moments pour lesquels nous voulons mettre à profit et que nos cœurs et nos âmes puissent réellement se sentir vraiment bien et se reposer là pour que, comme l'Écriture dit, parle Seigneur parce que tes serviteurs écoutent. Et nous voulons être de cela. Dans le livre de Thessaloniciens, le premier épître de Thessaloniciens, donc nous lisons cela, que vous connaissez en réalité, et que ça c'est que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, veut donc exprimer en ce temps-là, nous l'avons lu, premier épître de Thessaloniciens, dans l'épître de Thessaloniciens, effectivement, le chapitre 1, nous lisons donc le verset 5. Verset 5. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Il nous dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons te dire merci, mon Sauveur, parce que tu es vraiment fidèle. La Bible le dit que ton nom est fidèle et nous pouvons le voir aussi dans notre vie de tous les jours que tu es vraiment fidèle, Seigneur. Il n'y a point de Dieu fidèle comme toi, Seigneur. Et merci, nous voulons vraiment te ressembler en cela aussi, mon bien-aimé Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'exalter pour ton amour à notre endroit? Vraiment, tu veilles sur ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint. Tu veilles aussi sur leur nourriture, mon bien-aimé Seigneur, afin qu'ils soient nourris comme toi, tu pourvois, mon bien-aimé Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Pardonne-nous encore, mon Père, de notre négligence parfois, de notre façon de boire faire avec les involtures, ce qui te concerne, toi, Père. Alors que toi, tu fais toutes choses avec précision, mon Sauveur. Aide-nous encore, Père. Aide-moi. Je te demande cette grâce, mon Père, pour ton peuple encore ce soir. Quand je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà comme cet homme de Dieu le fait savoir ici en parlant à ce peuple, en se référant à la chose qui est importante, qui a fait d'eux, effectivement, ce qu'ils sont devenus en réalité pour qu'ils soient appelés aujourd'hui le peuple de Dieu et le Fils de Dieu, effectivement, et aussi placés à ses rangs les plus élevés, comme les Saintes Écritures le démontrent, effectivement, au rang élevé qui est effectivement le rang des élus, parce qu'il leur montre effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour eux. Et comment est-ce que cela a été donc rendu donc manifeste? Il a fait savoir effectivement que c'est par ce moyen-là que le Seigneur a eu à pouvoir pour que ce qui vous étiez puisse être aussi
manifesté effectivement dans votre vie, effectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, il est dit dans le livre des Thessaloniciens, je pense, je crois que c'est un ou deux, je crois que c'est cela, oui. C'est chapitre 2, voilà, c'est cela, oui. Il est dit, verset 13, je pense, c'est cela, oui. C'est pourquoi, donc, chapitre 2, je suis à côté de vous, verset 13, c'est pourquoi, donc, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, donc, comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. J'aime beaucoup cela, comme il exprime aussi, il dit, mais ainsi comme elle l'est véritablement. Donc, véritablement, elle n'est pas la parole des hommes, mais elle est la parole de Dieu que nous vous avons annoncée. Et quand vous avez vraiment pu écouter, vous avez pu faire la différence. C'est vrai que moi, Paul, je vous annonçais cela, mais quand vous avez écouté, effectivement, vous avez réellement reçu la parole. Pas que la parole était la parole de Paul, mais vous avez reçu la parole de Dieu qui sortait effectivement par Paul. Et cela a été un signe pour vous, parce que ici, dans le chapitre 1 que nous avons lu, effectivement, nous avons lu verset 5, mais si nous réalisons le verset 3, effectivement, nous l'avons déjà lu avec vous, mais nous rappelons sans cesse, chapitre 1, verset 3, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été donc élus. Donc là, il le fait savoir effectivement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a eu à pouvoir manifester qu'effectivement, que en vous, il y a eu effectivement l'élection de Dieu. Parce que quand cela se passe effectivement avec les autres, on voit réellement par la réaction que cela produit. Qu'est-ce que cela fait? Il dit, notre évangile, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, ainsi de suite. Donc, effectivement, il dit, mais c'est comme cela qu'il disait, je pense, quelque part dans le livre de Corinthiens, je pense que cela, je pourrais peut-être le trouver, 1 Corinthiens, effectivement, cela, je crois, 1 Corinthiens, je peux peut-être 2 ou 2 Corinthiens. On va le voir effectivement avec vous ensemble. Oui, 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, verset 1, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et des grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, la sagesse, effectivement, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, effectivement, il montrait en réalité ce qu'il voulait, et que l'homme, effectivement, et que le peuple pouvait arriver à pouvoir avoir, et qu'en le recevant, ce qu'il apportait, effectivement, cela démontrait, effectivement, la nature de ceux qui étaient là, en face, effectivement, qui pouvaient réellement recevoir, de cette manière, effectivement, la réaction en rapport avec ce qu'ils entendaient. Donc, il dit qu'effectivement, que lorsque cet évangile vous a été donc annoncé, et comme l'a dit en chapitre 2, effectivement, oh, nous vous l'avons apporté, effectivement, parce que malgré les tribulations, malgré les combats que nous avons pu avoir, chapitre 2, chapitre 2, verset 1, il dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Donc, il est donc venu, effectivement, avec quelque chose qui était important, effectivement, pour eux, et qui, au travers de cela, effectivement, ça allait, effectivement, manifester, effectivement, ceux qui étaient réellement prédestinés à pouvoir être manifestés, effectivement, dans les temps, comme étant, effectivement, cette semence divine de Dieu, effectivement, parce que n'oubliez jamais, effectivement, que l'Écriture nous montre dans le livre d'Apocalypse, effectivement, que
À la fin de chaque message donné, la Bible dit qu'effectivement que l'Esprit dit effectivement que celui qui a les oreilles attentives, il dit, mais que c'est à celui qui vaincra. Donc, il y a toujours, il doit toujours y avoir effectivement des vainqueurs. Donc, effectivement, et ces vainqueurs dont on parle dans chaque âge ne sont pas comme tout le monde. C'est une catégorie tout à fait particulière. Parce que pour pouvoir vaincre, il fallait qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir quelque chose qui les permettrait de vaincre. Parce que, mon frère, quand on regarde effectivement le monde dans lequel nous sommes, la puissance de Satan est tellement forte. Oui, cette puissance, elle est puissante, effectivement, pour pouvoir arriver, parce qu'il est le prince de l'air, effectivement. Il peut faire beaucoup de choses, effectivement, parce qu'on le lui a permis. Donc, toi, en tant qu'homme, parce que tu es charnel comme nous sommes, effectivement, mais Satan et ses démons sont des esprits. Donc, ils agissent, effectivement, dans l'esprit, des choses que toi, tu ne vois pas. Alors, maintenant, toi, comment vas-tu vaincre, effectivement, quelque chose que tu ne vois pas? Donc, il faut que, quelque part, tu sois équipé pour que tu puisses avoir les armes nécessaires pour combattre, effectivement, la chose que tu ne vois pas. C'est pourquoi, dans Éphésiens, au chapitre 6, je pense que l'Écriture nous le fait savoir, Éphésiens, chapitre 6, verset 10, je suppose que c'est cela, Éphésiens 6. Alors, lisons le verset 10, il dit, Au reste, frères, donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous entendez, effectivement? Donc, là, on dit, effectivement, qu'il faut qu'on soit revêtu des armes du Seigneur de Dieu, effectivement, pour que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que les diables, tu ne les vois pas. Ah oui? Il utilise effectivement, c'est un esprit effectivement, qui s'église en fait. Il était rusé. Alors, il dit, mais car nous n'avons pas lutté, merci Seigneur, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc la chair et le sang, c'est ce que vous voyez, n'est-ce pas? Et là, la Bible dit, tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Donc tu ne luttes pas contre les choses que toi tu vois. Tu penses sur l'adversaire, c'est le frère Jonas, ce n'est pas lui. Satan est rusé. Donc, effectivement, il te prend effectivement au sentiment parce qu'il te donne les yeux, mais tu vois, il est contre toi. Non, ce n'est pas lui. Amen. Non, il dit, mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il soit contre moi. Et ce qu'il dit, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je dois avoir les armes nécessaires pour combattre, effectivement. Alors, il dit, nous continuons effectivement à dire, non, il dit qu'on n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Quand toi, tu lèves les yeux vers le ciel, est-ce que tu vois les esprits méchants? Non. Mais pourtant, ils sont là. Ah oui, c'est ce que la Bible dit. Ils sont rusés. C'est pour ça, les hommes dans ce monde, ils disent, oh, Satan n'existe pas, effectivement. Mais Satan veut leur faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut bien travailler avec eux facilement. C'est sûr et certain. Mais toi, le Seigneur, t'ouvre les yeux pour que ce qui se passe dans les ténèbres, tu puisses le voir. Vous vous souvenez, effectivement, avec Ananias et Saphira, quand ils étaient là-bas, effectivement, ils faisaient leur coup, effectivement, mais Pierre n'était pas là. Mais quand ils sont arrivés, Pierre a pu voir. Et comment c'est? Dieu lui a ouvert les yeux. Ce qui se passe dans les ténèbres, effectivement, Dieu vous fait voir. Et pourquoi parfois, vous dormez, effectivement, vous voyez ou quelqu'un qui vient, que vous voyez effectivement la nuit, commence à faire des choses dans votre maison, effectivement, venir qui vient d'un coin de votre province là-bas. Parce que si je parle de village, je veux dire que tout le monde n'a pas de village, effectivement, mais en fait, dans le province, c'est plus régulier où vous avez habité, avec si c'est un cousin ou un oncle, je sais rien, très bien. Parce que, écoutez bien, la sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. C'est un esprit diabolique dans le monde entier. Donc, même ici, il y a des sorciers. Donc, la sorcellerie n'a pas de couleur, quand même. Hein. Ce sont des esprits. Donc, quand on passe aussi, associé en Afrique avec l'Ingli. Non, en Europe, ici, chez nous, on a des sorciers. En Amérique, il y a des sorciers. En Asie, il y en a. En Inde, il y en a. Partout, il y en a. Pourquoi? Parce que ce sont des démons. C'est vrai, hein? C'est sûr et certain. Quand vous voyez les magiciens, ce sont des sorciers. Ben oui, parce que les gens admirent, oh, magiciens, mais ce sont des sorciers. Des gens qui travaillent avec des démons, effectivement, des gens possédés, effectivement. Et voyez-vous, les dangers, c'est que quand, pendant les écoles, vous vous souvenez, on dit, bon, voilà, on va aller voir les magiciens. Ah,
Il va faire effectivement, et puis les enfants viennent, oh, c'est beau, mon petit, viens ici, toi, on va faire une démonstration avec toi. Si ton enfant a été appelé pour faire ça, et qu'il lui a dit, bon voilà, ouvre la bouche, effectivement, mâche les papiers, pardon, il mâche les papiers, et c'est qu'il sauce autre chose, ton enfant est possédé. Oh, prends ça, je vais sortir un petit derrière ton oreille, effectivement, ton enfant aura des problèmes avec les oreilles. Ce sont des démons. Ne laissez jamais vos enfants approcher ces choses-là. Peu importe l'image, vous pouvez dire, oh, des grands magiciens, ce sont des grands démons. Amen. Des gens possédés qui ont besoin de délivrance. Oui, n'admirez pas ces gens-là, effectivement. L'autre qui dit, moi, je peux faire. Ils ne savent rien faire. Ce sont des démons. Amen. Ils sont des esclaves, effectivement. Et ces gens, s'ils ne sont pas convertis, directement en enfer. Donc, quand vous touchez ceux qui touchent, quand vous faites ce qu'il faut, effectivement, vous êtes aussi possédés par ces esprits. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il dit, nous n'avons pas lutté, nous continuons ici, évidemment. Quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre... parce que vous avez le droit que quand les gens disent, oh, à l'école, les enfants doivent participer parce que les magiciens doivent, on va venir effectivement, faire dire, non, 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 je ne veux pas que mon enfant soit là. Amen. Je ne veux pas que mon enfant soit avec la magie, non. Amen. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme. Amen. Ça, vous avez le droit. On ne peut pas être là, oh, on va faire parce que l'école a dit, non. L'école, c'est un ordre pour la... Mais quand ce n'est pas conforme, je dis non. Amen. Mon enfant n'y va pas. Amen. C'est tout, vous pouvez le faire. Alors il dit, mais quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. N'est-ce pas vrai? Regardez bien, ce n'est pas le frère Jonas, ce n'est pas ma soeur ici qui est ton ennemi à toi. Même si la sœur a posé, elle a effectivement dit, oh, mais tu connais, et il a fait, il dit, ce n'est pas elle. Amen. Parce que tu vas commencer à dire, je n'aime pas la sœur. Comment elle s'appelle, je mets son nom. Bon, même pas le nom. Je n'aime pas la sœur telle, effectivement, tu vois, elle m'a fait ceci. Je n'aime pas le frère. Jonas, je peux citer son nom, par exemple. Il est toujours là en face de moi, il me regarde. Je n'aime pas Jonas, effectivement, non. Jonas n'a rien à voir. Amen. C'est la chose qui s'est cachée derrière Jonas. Qui, quand Jonas te regarde bien, te dit, mais tu vois, ces yeux-là, ils ne t'aiment pas. Mais non, Jonas, lui, il t'aime, mais c'est lui, c'est cet esprit-là qui dit, mais il voit, tu vois, Jonas, il est bon, Jonas. Amen. Si simplement la chose-là est enlevée de Jonas, il n'y a plus de problème. Amen. Voyez-vous, voilà comment nous pouvons garder la victoire. Parce que nous, là, Satan sait que c'est lui-là, je ne peux pas le bouger. Amen. Parce que je me cache derrière celui-ci pour détruire celui-là, il connaît que je suis caché derrière. Amen. Donc, Dieu te dévoile les attaques de l'ennemi. Amen. Donc, tu es quelqu'un qui a la victoire. Amen. C'est sûr et certain. C'est pourquoi David ne verrait pas Goliath effectivement à sa taille. Il savait qu'il y avait un démon dans Goliath. Amen. Et lui étant un fils, il avait la victoire. C'est sûr et certain, mon frère. Donc, chacun de nous doit savoir effectivement que c'est pour ça. L'Écriture nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'aime mon Seigneur Jésus, frère. Il dit, mais il vous a été dit. Vous connaissez, non? Il dit, œil pour œil, dent pour dent. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. N'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, ça, c'est un Dieu d'amour. Et il a vaincu, monsieur. Il a vaincu. Ah oui, il a vraiment vaincu. Et oui, c'est vrai, vous savez que là, donc, j'aime mon Sauveur. Il est merveilleux. Il était là, frère, avec le sang qui dégoulinait comme ça, qu'on a mis les couronnes. Et puis Pilate a regardé, il dit, c'est pas possible. On l'a tellement insulté, craché, il ne dit rien. Même pas se plaindre, effectivement. Non, il ne dit rien. Même à la croix. Amen. Il dit, pardonne-leur. Alors là, il était maître. Alléluia. C'est pourquoi le soleil s'est caché, parce qu'il était maître. C'est comme cela, mon frère et ma soeur, que la nature même peut dire, mais celui-là, il n'est pas comme les autres. Parce que Dieu, Satan, il est rusé, il connaît que l'homme charnel, quand tu le fais du mal, il doit réagir. Mais maintenant qu'il vienne vers toi, pousser un frère pour t'insulter, tu remets l'amour. Il dit non, 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 non. Il y a quelque chose de différent là-dedans. Oui, il est différent. Pourquoi? Parce que son Dieu est en lui. C'est comme cela. Oui, frère et sœur, nous ne luttons pas contre notre frère qui est en face, qui t'a insulté, qui notre soeur qui t'a critiqué. Non. C'est pourquoi on ne faut pas dormir. Non, je rêve de pouvoir le tordre de cou pour ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait. Mais si je n'étais pas chrétien, oh non. Parce que comme nous l'avons entendu, non? Celui qui aime, il a le cœur en paix quand il dort. Amen. Mais celui qui n'aime pas, il a le cœur torturé tout le temps. Il pense du mal, comment je vais couper la tête à Jonas, comment je vais dépêcher, effectivement. Jonas n'a pas l'attention, il dort tranquille. Amen.
Et lui, le matin, les cheveux sont bourriffés parce qu'il a un problème. C'est pourquoi que dans votre cœur, ne pensez jamais du mal. Même si vous savez que cette personne ne vous aime pas, vous simplement priez, donne-moi l'amour, Seigneur. Je vais l'aimer encore davantage. Et ça, c'est votre force. Ça, c'est la puissance que vous avez. Oui, Satan ne peut pas avoir ça. Devant l'amour, frère, il est vaincu. Parce que tout ce qu'il y a en lui, c'est la haine. Oui, c'est pour ça. Quand vous commencez à vous chambrer, lui m'a dit, lui m'a fait, effectivement. Quand on te dit ça, soeur ou frère, toi reste un peu tranquille. Observe un peu. Il dit, il m'a fait, moi je ne sais pas comprendre. Il dit, oh non, non, mais ce n'est pas normal. Donc si lui se plaint, moi je ne peux pas me plaindre. Parce que les murmures qui viennent là, parce que voyez-vous, quelqu'un qui a quelque chose de bon en soi, quand il vous parle, il ne pourra jamais vous blesser. Quand une sœur ou un frère te dit une parole qui te blesse, c'est qu'il a quelque chose de mauvais en lui. Parce que c'est de l'abondance du cœur qui ne la bouche pas. Mais quand ton cœur il est bon, quand quelqu'un te dit la chose, tu sens que l'effet d'entendre sa voix, sa parole, ça te réjouit le cœur. C'est vrai, parce que nous sommes appelés à pouvoir dire des choses qui sont édifiantes. Même si la personne est dans un état, je ne sais pas comment, mais je ne dois pas enfoncer la personne. Non, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Pas pour enfoncer. Non, Dieu m'a appelé pour, s'il est enfoncé par l'autre, que je le fasse sortir. C'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir apporter réellement la vie et non jamais la mort. Le parfum que nous dégageons, effectivement, c'est l'odeur de Christ. L'odeur de vie et non l'odeur de mort. Donc, quelqu'un qui est droit dans son cœur, même quand vous le regardez, effectivement, vous voyez que dans ses yeux, il est doux. Mais quelqu'un qui fait des petits coups bas, ses yeux sont problématiques. Regardez, mais c'est vrai, frère et sœur. Quand il n'est pas tellement droit, vous voyez, effectivement, même sans vous regarder, vous sentez qu'il y a, des personnes, vous sentez, vous êtes avec la personne, votre cœur souffre. Parce que son cœur n'est pas droit, mais il vous trouble en fait parce qu'il ne sait pas. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'est pas vrai, ce qui est en vous pleure davantage. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas être aussi droit? Tu es troublé. Mais quand il est bien, oh là là, vous avez un plaisir inouï, vous voulez simplement vous asseoir là, parler avec la personne parce que ce qui sort est quelque chose qui édifie. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ça, n'oubliez pas, mon frère et ma soeur, parce que l'ennemi que nous avons, c'est notre ennemi qui cherche effectivement à voir tes distraits dans tous les domaines de ta vie, effectivement, pour ne pas voir la vérité. Parce que, quand le Seigneur l'a dit, non, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ah oui, c'est ça la force. C'est la puissance. Et c'est sûr et certain. Et quand vous avez la vérité, mon frère et ma soeur, vous ne marcherez pas dans l'erreur. Non, parce qu'il dit, mais pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, alors la puissance des grands morts vient certainement. Et c'est sûr et certain. Mais quand nous nous tenons dans la chose qui est juste, je le veux, et le Seigneur fera en sorte que tu sois toujours détenu effectivement dans la vérité, puisque l'esprit de vérité viendra. Donc, nous retournons. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Vous vous souvenez, non? Il dit contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Oh oui, c'est vrai, Seigneur. Nous marchons simplement, on voit le ciel comment il est. C'est pour ça les ânes, effectivement, c'est pour ça qu'ils sont des docteurs, des grands scientifiques, ils ne voient rien dans les airs. Mais oui, c'est sûr et certain. C'est rempli de démons. Maintenant, vous comprenez pourquoi le feu doit descendre. Amen. C'est la vérité. Hein? Oui. Ça doit être purifié, monsieur. Amen. Donc, tous ces endroits, oui, effectivement, ils ont souillé partout. Ça doit être purifié. Amen. C'est pourquoi vous voyez que, on a vu un sorcier qui là-bas, un sorcier qui s'assoit ici, ou bien là-bas d'Afrique, qui fait, oui, et c'est les Indiens, effectivement, avec les calumets. On a, papa, les tonnerres, la pluie tombe. C'est normal. Il ne faut pas vous étonner, c'est normal. Déjà, regardez, frère, si un homme qui est possédé par des démons peut faire ça, et moi qui ai Dieu. Amen.
C'est pourquoi Satan s'est fait trembler les gens. Oh, les démons sont puissants et les féticheurs. Non, monsieur, tu es plus puissant que les féticheurs. Et ça, c'est 100% vrai. Oui, tu as le pouvoir. Tu avances simplement. Lorsqu'ils te voient, ces casseroles tremblent. Toi, tu ne sais pas, mais oui, quand tu passes là, ayant prié, ayant ton Dieu avec toi, étant sûr et certain, tu passes là, les casseroles commencent à bouger là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dehors, il y a un Dieu qui passe. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que tu es un Dieu en tant que fils de Dieu. Tu l'es. Non, mais c'est 100% vrai. Dominer sur toute chose. Et notre maître a dit, mais voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, monsieur. Nous l'avons. Nous l'avons. Satan a peur de vous. Mais vous, vous avez peur de, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on parle, il est le féticheur. Il est puissant, le féticheur. Non, toi, tu es plus puissant. On fait le loge là-bas, oh, si tu vas voir ces féticheurs-là, tout va aller. Non, va voir celle qui a prié pour toi, tout ira. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, vous me dites, oh, mon frère, est-ce que vous voulez donner? Naaman avait une fille dans sa maison. Naaman. Un grand homme, effectivement, qui était lépreux, qui mourait. Personne n'a pu aider Naaman. Ils invoquaient leur Dieu, effectivement, rien ne s'est passé. Mais il y avait une fille d'Abraham. Esclave, elle a regardé son maître comme ça, elle dit, aïe, 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 aïe. Tu n'as pas eu la grâce de me faire en venir dans ta maison à toi. Parce que s'il n'était pas ici, tu mourrais. Alors la fille dit, oh, si mon maître était chez nous, le prophète aurait prié pour lui et il serait guéri. C'était la délivrance, monsieur. Tu n'étais pas un frère, hein? Tu étais une soeur. Oui, je suis certain. Je vous amènerai un frère maintenant. Tous les démons, tous les satrapes, tous les sorciers, tous la puissance de Babylone était là. On a dit maintenant, le roi a dit maintenant, je veux connaître les songes. Vous avez dit que nous sommes tellement puissants, ainsi de suite. Et vous savez, Daniel, on l'avait mis là-bas dans le coin, on ne passait pas. Nous, nous sommes des grands, on peut faire ceci, on peut faire pleuvoir, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, j'ai eu un songe. Je l'ai oublié. Je veux que vous me rappelez les songes. Et aussi, à ce moment-là, aussi l'interprétation. Montrez-moi que vous avez de la puissance. Oui, monsieur. Satan a commencé à courir à gauche et à droite. Dieu, il est Dieu. Frère, être un fils de Dieu, c'est un privilège, mon frère. Une grâce sous cette terre. Être un enfant de Dieu, chante les chants de Sion. Oui, frère, il n'y a aucune puissance qui peut te retenir dans le bas. Par contre, avec Dieu, on te tire dans le haut. Oui, monsieur, parce que tu domines sur toutes choses. Ça, c'est 100% vrai. C'est sûr, mon frère. Quand ils ont cherché à gauche et à droite, tous les démons se sont réveillés parce qu'il fallait montrer qu'il était tellement fort. Satan devait montrer que je suis vraiment plus fort parce que c'est lui qui les inspire, c'est lui qui parle avec. Oui, c'est vrai. Je suis fort, je vous dis, les songes, effectivement. Et là, Dieu était tranquille, monsieur. Satan a couru à gauche et à droite. J'aime Dieu, le Seigneur. Et puis voilà, maintenant le roi était tellement si fâché. Il dit maintenant, donc vous ne me servez à rien. Satan devait défendre effectivement ses enfants, montrer effectivement que je suis puissant. Je peux connaître les songes, les pensées même de quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne peut même pas connaître vos pensées. Amen. Bien sûr, il ne peut pas les connaître, messieurs, ce n'est pas possible. 100% vrai, il ne peut pas les connaître. Quand vous voyez les gens qui disent, oh, je vois. Mais ils disent, hein, on sonde la personne, on voit comment il bouge, on voit comment il. Et puis on déduit un peu, à peu près, on sait faire ça. On dit que ça peut être. Mais c'est ça. Mais avec Dieu, ce n'est pas les à peu près. Ta pensée, Dieu le révèle. Parce que la parole sonne, n'est-ce pas vrai? Et voilà que quand on a dit maintenant qu'on va dire, roi, vis éternellement, tu es le grand roi. Jamais grand roi n'a demandé ceci au magicien, au ceci, au cela, ceci. Personne ne peut savoir si ce n'est celui qui vit avec le Dieu. Oh, oui. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut le savoir. Il faut que cet homme-là vraiment ait accès auprès de Dieu. Alors là, mais qui peut avoir accès? Il n'y en a aucun roi.
Ah, quand la chose est arrivée aux oreilles de Daniel, oh, il y va dire au roi que les choses lui seront révélées et l'interprétation aussi. Mais quelle assurance il avait. C'est pourquoi vous avez quelque chose de plus. Que tous ces gens que vous voyez là qui se pavanent, même s'ils ont de l'argent, l'argent c'est rien. Les gens pensent que l'argent fait de toi quelqu'un. Mais d'abord, ceux qui ont de l'argent deviennent un peu problématiques. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi quelqu'un. Ça te lave. Ça fait de toi quelqu'un qui sait réfléchir. Même si tu as l'argent, tu sais à quoi ça sert. À ce moment-là, l'argent ne va pas avoir de domination sur toi. C'est toi qui domines sur l'argent. Oui, donc on comprend effectivement mieux les choses de Dieu parce que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre parce que l'adversaire qui est notre adversaire, c'est notre Père, notre Dieu, qui est notre adversaire, effectivement, il veut davantage nous affabuler dans les aveuglements de choses, de penser simplement autrement, une logique tout à fait tournée. Il ne veut pas qu'on voie les choses de la bonne manière. Juste un exemple. Si vous avez, comme j'ai toujours eu un exemple, c'est un exemple simple, mais la voiture, ma voiture, moi. Et donc, il y en a de ceux-là, quand ils achètent une voiture, ils peuvent me mettre 500 000 dans la voiture. Les jantes, les ceci, écroulement, vous touchez comme vous avez touché, je sais pas moi, son âme, effectivement, là-dedans. Mais en fait, mais toi et moi, on peut avoir la grosse, la moyenne, la jolie, la nanana, on sait que c'est simplement de la ferraille. Vraiment. Avec les caoutchoucs. Mais oui, avec les carburants qui m'aident à pouvoir quitter chez moi pour aller au travail ou pour aller à l'assemblée. Donc c'est un moyen pour moi, pas que, comme je disais toujours, je vais tout. Ce sont ceux qui ne sont pas convertis. Je vais avoir la voiture la plus grande, la plus jolie, la plus grosse de tous les frères. Donc, je dis, mais c'est simple, achète un camion. Un grand camion là, comme les Américains avec si tu viens ici, personne n'aura la même voiture que toi. Mais les problèmes, il faut stationner, hein. Parce que camion remorque, évidemment, vous trouvez, c'est ça, vous comprenez? Donc, soyons, nous savons comment utiliser les choses que Dieu nous donne. Donc, nous devons, et c'est pour ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a, c'est pour ça, l'orgueil et la prétention sont des choses démoniaques. Dieu nous a délivrés et nous a lavés, de sorte que, vous savez, quelqu'un qui est prétentieux, en fait, il vit dans l'image. Dans l'image de ce, il dit, moi, je suis le plus beau. Je suis la plus jeune. Donc, il vit dans un sphère où il s'est créé. Quand il marche ou quand elle marche, il dit, toute la rue me regarde. Mais personne ne s'occupe de lui. Il dit, moi ici, tout là, il me regarde comment je marche. Mais il dit, non, personne ne s'occupe de toi. On s'occupe d'autre chose. Dans ta tête, tu dis, je suis la seule. Là, personne ne regarde. Il ne regarde que moi. Mais non, on ne te voit même pas. Tu te vois toi-même. Mais un enfant de Dieu, il ne s'occupe pas. Dieu travaille pour lui. C'est vrai, mon frère, c'est vrai. Oh, nous retournons vite. Alors, il dit, donc nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre l'autorité, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, parce que je dois vaincre, non? Il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir vaincre ces choses, surmonter, mais tenir encore ferme après avoir tout surmonté. Mais comment je dois vaincre? Comment je dois me tenir, effectivement? C'est ce qu'il nous donne ici. Alors, il dit maintenant, oui. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc moi, tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est l'évangile frelaté, tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Peu importe si je me sépare avec ma femme, avec mon père, avec mon mari, avec mes enfants, mais quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Oui, monsieur, parce que si tu n'as pas ce caractère-là, Satan va se jeter de toi. Oh, mais toi, tu crois maintenant que Jésus est Dieu. Mais tu vois ta femme et tes enfants.
crois qu'il y a trois dieux. Si tu crois comme ça, il y aura un combat à la maison. Et plus tard, c'est comme ça, dit, ah, mais comment je vais faire maintenant? Bon, c'est vrai quand même. Bon, vous savez, pour être bien avec tout le monde, même ceux qui croient, c'est quand même Dieu. Pour avoir la paix, quand même. Hein. Bon, c'est pas un problème. C'est comme j'avais entendu un qui disait, bon, ils rentrent dans l'eau. C'est pas ce que j'ai entendu. C'est pas si c'était Frère Branham qui disait, je sais pas qui c'est, mais donc, ils sont rentrés dans l'eau d'eux. Il dit, toi, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, et moi, je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez compris? Donc, je répète, ils sont tous deux dans l'eau, le croyant. Celui-ci dit à celui-là, toi, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, et moi ici, je vais te baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans quel baptême ils sont tous deux baptisés? Dans quel baptême? Je répète, les deux, ils sont là. Celui-ci, celui-là, il dit, toi ici, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus, et moi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, toi, tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, et moi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, nous sommes tous les deux dans le baptême trinitaire. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Comment toi qui es baptisé au nom du Seigneur Jésus, tu peux baptiser quelqu'un d'autre? Si tu as cru que c'est le vrai baptême, tu ne peux pas baptiser quelqu'un d'autre, tu ne peux pas faire cet esprit quand même. Est-ce que vous comprenez? C'était des trinitaires. Ils n'ont rien compris. Alors que tu dises, bon voilà, pour vraiment, bon, oui, Dieu le Père, le Fils, la Trinité sont aussi des dieux parce que c'est quand même Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu ne verra pas ça. Même là aussi, c'est aussi de Dieu, donc allons de l'avant. Alors là, vous avez un problème. Là, tu as vendu ton droit d'aînesse. Bon, bah, évidemment, monsieur. Parce que je vais avoir la paix avec tout le monde, monsieur, madame. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix mêlée. C'est écrit. Hein? Pourquoi? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, quand tu crois à la parole de tout ton cœur, n'attends pas la paix auprès des hommes. La paix que tu as, c'est avec Dieu. Oh oui, là, c'est une paix assurée. Mais quand tu as la paix avec Dieu, c'est la guerre avec les hommes. C'est ça, mon frère. Il ne faut pas chercher que je m'entende avec tout le monde. Tu ne vas pas t'entendre avec tout le monde. Non. Mais Satan, il est rusé. Il dit, mais tu sais, tu vis dans le monde, il faut avoir la paix avec tout le monde. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Vous entendez cela? Mon Dieu, à moi, il m'a dit, si mon haï, ils vous haïront aussi. Donc, je ne m'attends pas à avoir la paix avec tout le monde. Moi, je suis un homme de paix. Amen. Moi, je suis une femme de paix. Amen. Donc, je marche dans la paix. Amen. Alors, si toi, tu es aussi un homme de paix, nous serons ensemble. Amen. Mais si tu es un homme de guerre, tu ne vas pas me trouver dans la guerre. Non. Je suis toujours dans la paix, effectivement. Amen. Mais la victoire, je l'ai. Alléluia. Tu commences ta guerre, moi, je suis dans la paix. Amen. Déjà, quand tu commences, j'ai la victoire. Amen. Oui, monsieur. Amen. Parce que je sais, moi, où je me tiens. Je suis en paix avec lui et il veille sur moi. Amen. Alléluia. Donc il m'a dit, moi ici, l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire. Alors pourquoi moi je dois combattre, monsieur? Alléluia. J'ai quelqu'un qui combat pour moi. Il m'a dit simplement, la paix. Amen. Je suis en paix. Vraiment. Tu vas m'insulter, je ne dis rien. Amen. Je reste tranquille. Alléluia. Je voulais déjà rendre ce témoignage ici, dans cet endroit. J'avais mon bureau là. Et la réunion s'est terminée. Et les frères et sœurs sont sortis. Alors là, la dame qui était de l'autre côté là-bas a commencé à insulter les frères. Frères et sœurs, je suis rentré dans mon bureau, je pleurais. Vraiment. C'est pas possible. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. L'orgueil simplement de montrer que moi j'ai les briques et c'est pour moi, et ceci et cela. J'ai dit, vous touchez au peuple de Dieu.
Je pleurais, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mon âme était brisée. Vous n'avez rien fait. Et simplement en sautant, parce que ce sens, ceci, cela, elle a levé la voix. Je me suis mis à genoux. Vous savez, quand je me suis levé, l'ambulance était à la porte là-bas. Oui, si, je crois que quelques-uns parmi vous se souviennent. L'ambulance était à la porte là-bas. Juste en montant, puis boum, boum, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Je le sais, frère. Depuis ce jour, vous vous rendez pas compte, frère, Dieu vous aime, Dieu prend soin. Vous touchez à ceux qui sont de Dieu, vous touchez à Dieu. Si vous l'aviez insulté, c'est autre chose. Mais vous n'avez rien fait. Simplement, vous sortez de la prière, effectivement, l'orgueil de montrer que moi, j'en connais, moi, je suis là-bas. Il dit, mais si tu as la vie, les soupes, c'est Dieu qui t'a donné. Et toucher à ce qui est de Dieu. Mais tu touches à Dieu. C'est fini. Et maintenant, bref, c'est pour dire qu'effectivement, que celui qui te combat, ne te combat pas. Amen. Alléluia. Il combat Dieu. Amen. Vous vous souvenez les témoignages que vous avez rendus ici, effectivement, à cet moment? Vous vous souvenez? Il y avait un jeune homme qui avait son frère, évidemment, son frère était aux études, effectivement. Et voilà que son frère en question, lui, il était aux études, l'autre n'étudiait pas, mais il avait besoin d'avoir de l'argent. Il a entendu que chez les féticheurs, on donnait des portefeuilles magiques. Ce portefeuille, tu mets dans la poche, tu ouvres, tu as de l'argent. Il est allé voir le féticheur. Celui qui a remis ce témoignage, c'est le féticheur qui a été converti. Il dit, mais voilà que les jeunes hommes viennent chez moi, comme moi j'ai fait ces choses-là, il me dit, bon voilà, Nougmoussin, c'est comme ça qu'il s'appelait Nougmoussin. C'était le féticheur. J'ai jamais oublié son nom, c'est Nougmoussin. Il dit, mais voilà, je viens chez vous, parce que je voudrais que vous me donniez, je voudrais avoir l'argent, un portefeuille magique. Il dit, mais tu sais ce que ça veut dire avoir un portefeuille magique? Il dit, non, tu vas m'expliquer. Il dit, mais pour avoir un portefeuille magique, il faut avoir quelqu'un qui travaille pour toi. La personne doit se trouver quelque part là-bas. Alors, il faut me donner une poule. Donc, on me dit, j'en ai une poule, effectivement, une chèvre. Donc, quand on parle d'une poule, d'une chèvre, ça veut dire qu'il faut donner quelqu'un. Les petits n'avaient pas encore bien compris. Il dit, tu veux une chèvre? Il dit, oui. Il dit, non, non, oui. Il dit, je vais je vais te faire comprendre. La chef, je demande, effectivement, c'est quelqu'un dans ta famille. Alors, le petit a commencé à transpirer. Il dit, mais le petit a dit que je regardais mon papa, il est vieux, ma maman dit, mais qui est-ce que je vais prendre? Taf, tout d'un coup, il dit, j'ai un frère. Il est toujours aux études et tout ça. Il est toujours à l'université, il étudie, il ne fait pas grand-chose. Celui-là, il ne sert à rien. Je vais les donner. Il dit, tu veux donner ton frère? Il dit, oui. Elle dit, bon voilà, mais va maintenant acheter une poule. Tu l'amènes avec un drap blanc. Et alors, effectivement, bon, tu viens avec ça. À minuit, on va faire la chose. Il est venu avec ça. C'est ce sorcier-là qui rentre ce témoignage. Et le jeune homme vient avec. Puis, la mesure de minuit. Maintenant, le jeune homme, lui, il se disait, son frère était étudiant. Il avait étudié, effectivement. Il faisait des études. Il ne savait pas qui était vraiment son frère. Elle dit, ben, comme il est là comme ça, je vais les vendre. Le magicien dit, bon, c'est lui. Il dit, ok, c'est ton frère. Il dit, ok, là, voilà, j'ai apporté ça. Il dit, voilà, maintenant, minuit arrivant, le jeune homme était là aussi. Bon, ben, il dit, bon, son frère, là, en question, était à l'université, dans les endroits pour étudier, effectivement, mais il dormait. La nuit, il dormait. C'est à minuit que le sorcier a commencé à invoquer maintenant. Il commence à invoquer, il dit, mais pendant qu'il invoque, chaque fois qu'on vient demander ça, quand il invoque, il voit l'âme de la personne qui vient, effectivement, et qui tombe, qui se reflète dans l'eau. Et quand il met dans l'eau, il pousse l'aiguille comme ça. Automatiquement, la personne là-bas meurt. Et ces jours-là, c'était pour la première fois pour lui. Il met le bassin, il prend le drap, le petit frère était là. Alors, il a commencé à invoquer pour l'âme des frères de ces garçons-là. Il a appelé. Il dit, oh, c'est bizarre ça. J'ai jamais eu à pouvoir faire quelque chose qui résistait comme ça, que j'appelle, ça ne vient pas. Il dit, je vais encore faire. Il invoque. Et puis il dit, oh, je vois maintenant l'âme qui vient. Il dit, personne ne peut me résister. Et il voit l'âme qui vient. Maintenant, parce que quand ça vient, maintenant, ça tombe dans l'eau. Et que ça tombe dans l'eau, effectivement, ça se réveille dans l'eau. Maintenant, il met l'aiguille, la personne meurt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
L'âme des garçons vient. Maintenant, il arrive au moment où il doit rentrer dans l'eau. Maintenant, pour qu'il puisse dire, ah, maintenant, je l'ai maintenant. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main percée avec le sang. Il voit la main percée, il voit le sang dans le bassin. Il dit, c'est pas possible, ça. Il prend l'eau, il jette. Il dit, qu'est-ce que c'est cette main ici, percée, et je bois le sang ici, je bois le sang. Et puis, il essaie encore, il voit l'âme qui vient, maintenant ça tombe dans l'eau, il dit, ah, maintenant je l'ai. Maintenant, prends l'aiguille, enfonce. Quand il prend l'aiguille, il voit les anges tout autour de cette âme, en train d'entourer, effectivement, les... Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je vois? Il a fait tout jusqu'au matin. Et puis, il dit au garçon, il dit, mais dis-moi, ton frère, la question, je n'ai pas su la voir, qu'est-ce qu'il est? Il dit, mais c'est un étudiant. En fait, c'est un étudiant, mais qui avait reçu Christ. Et le frère ne savait pas, effectivement. Et lui-même, son frère qui était là-bas, il dormait la nuit. Pendant qu'on fait ce soir, effectivement, il ne savait rien. Son Dieu à lui, à nos frères, avoir Jésus dans sa vie, c'est merveilleux, frère. Dans la nuit, effectivement, l'homme dormait tranquillement. On a invoqué des démons là-bas. L'homme dormait, effectivement. On a fait. Mais pendant qu'il dormait, effectivement, Jésus, notre Seigneur, a pris position pour nous. Il a dit, non, c'est ton frère là, il a quelque chose de puissant. Je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas le toucher. Amen. Alors là, c'est soit toi ou quelqu'un d'autre. Amen. Évidemment, mon frère. Donc, Dieu, notre Seigneur, veille sur toi. Amen. Peu importe, effectivement, l'adversaire qui peut s'élever contre toi. N'aie pas peur, mon frère. Amen. À moins que tu n'aies foi, n'aie pas foi dans le Seigneur. Mais quand tu as confiance, tu as croyance à la parole de Dieu, ton âme à toi est préservée par le Seigneur. Ils peuvent penser du mal contre toi. Toute âme forgée contre toi sera toujours sans effet. C'est pourquoi ne rendez jamais le mal pour le mal. Parce que quand tu rends le mal à quelqu'un, tu ouvres la porte à Satan. Son objectif à lui, c'est de pouvoir trouver un moyen pour te rendre effectivement aussi charnel qu'on lui dit, mais il m'a fait, il m'a dit, alors moi, parce que quand Dieu veut travailler avec un homme, il faut qu'il travaille, hein, il faut qu'il nettoie effectivement. Satan dit, si cet homme devient l'instrument entre les mains de Dieu, cette femme devient l'instrument entre les mains de Dieu, il dit, mais moi, mon monde est terminé. Donc, il va maintenant aussi réveiller maintenant, il dit, mais tu es quand même un homme, tu es quand même une femme, tu acceptes qu'une femme comme toi t'insulte. Ça commence à travailler, il dit, ah oui, c'est vrai, tu te crois, tu te prends pour qui d'ailleurs? Oh Seigneur, pardon, mais tu l'as fait. Ah oui. Oh, il faut qu'on t'amène à un niveau tellement que... Satan, il est rusé. Hein. C'est pour ça que vous devez savoir que ce n'est pas contre les frères. Parce que tu peux voir que toi, tu as prié, tu t'es bien... Tu t'es préparé pour la réunion, tu arrives là, tu ouvres à la porte, le frère... Bon, mon frère Jonas, tu vas accepter. Hein. Tous les frères Jonas, là, bon, frère Jonas, il dit, mais je vais voir le frère Jonas. Non. Aujourd'hui, tu ne peux pas le voir, tu rentres à la maison. Mais frère, j'ai un problème. Non, sœur. J'ai pas comme ça. Je donne un exemple. Un frère. Tu es un bon frère. Vous comprenez quand même. Non, sœur. Mais frère, il y en a, c'est le fin d'année. Non. C'est pas possible. Quel frère? Et il dit ça à travailler chez les pasteurs. C'est pas vrai. Oh. C'est sûr, ça. Alors, toi, tu vois comme ça, il dit, non, tu es comme ça, il dit, ça, c'est pas mon frère Jonas. Il dit, mon précieux frère, à moi, que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais, moi, je t'aime beaucoup, hein. Quand tu dis ça, tu vois. Il dit, quand je t'aime beaucoup, tu sais, tu es mon bien-aimé frère. Ah, vous vous rendez pas compte, hein, frère. Et puis là, tu vois, c'est comme s'il était en train d'endormir. Puis d'un coup, il dit, ah, ma soeur, tu veux voir le frère? Attends, je vais voir s'il est libre dans son bureau. Pourquoi? C'est ta position à toi. Amen. C'est comme ça que tu dois arriver à pouvoir combattre l'ennemi. Ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit. Amen. Qui essaie de pouvoir utiliser la personne pour te détruire, pour te mettre en colère, en fait que tu perdes ce que Dieu est en train de faire avec toi. Amen. Sûr et certain. Nous terminons vite rapidement pour rentrer à la maison. Alors il dit, mais... Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Là, ça veut dire que toi, même si, regardez très bien, et souvent il faut faire très attention. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est un exemple, et ça c'est dans le livre, j'aime bien qu'on puisse lire aussi le proverbe.
quand quelqu'un t'a fait un problème et que quelqu'un d'autre vient te dire, voilà, telle personne a dit ceci, et que ce soit vrai, et toi, tu as eu à pouvoir avoir cette conversation avec la personne qui, dont on a dit qu'il t'a fait le problème, effectivement, il y a eu des choses qui t'a dit, ne divulgue jamais les choses que l'autre t'avait dit parce que tu es en colère contre lui. D'ailleurs, lui, quand j'étais aussi avec lui, il m'avait dit, ne faites jamais cela. Jamais. Il s'est passé avec toi des choses, effectivement, même si on dit qu'il te déteste, mais on dit, il me déteste, oh, que Dieu ait pitié de lui. Amen. Tu gardes la victoire. Quand tu commences, d'ailleurs, il se prend pour qui pour me dire ça? Moi, tu vois, je l'avais vu aussi, hein? Il avait fait ceci, il avait fait ceci. Alors là, effectivement, tu es tombé plus bas. Amen. L'ennemi a eu le dessus. Amen. Il faut toujours avoir la sagesse. Amen. Savoir, ah, oh, Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Et même s'il a pensé comme cela, mais ça fait mal au cœur, mais nous prions pour lui. Amen. Que Dieu puisse l'aider. Amen. Ah oui, parce que Satan, il cherche par tous les moyens pour pouvoir. Parce que quand Dieu vous utilise, faites toujours très attention. Amen. D'une manière ou d'une autre, effectivement, l'ennemi va rôder, il va rôder, effectivement. Alors, ça veut dire que tu dois toujours te tenir aussi bien, Amen. Juste avec tout le monde. Amen. Même avec ceux qui parlent du mal de toi, Amen. Ou ceux qui parlent du mal, du bien de toi, Amen. Toi toujours, effectivement, Amen. T'as la bonne position. Amen. Pourquoi? Parce que tu cherches à sauver. Vous vous souvenez, je crois que, c'est parce que le temps passe, je pense que c'est dans le livre de Timothée ou quelque chose comme ça, où cet homme de Dieu a donné un conseil assez merveilleux à cet homme, je crois que Timothée, ou quelque chose comme ça, Timothée, je ne sais plus très bien. Voilà, c'est 2 Timothée, chapitre 2. Les versets. Je vais lire avec vous. Dans 2 Timothée, chapitre 2. Voilà. Je vais y arriver. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 22. Je crois 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Jusqu'au verset 26. Il dit 2 Timothée, chapitre 2, verset 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, jusqu'au verset 26. On va, ou puis on va prier, parce que le temps file vite. Vas-y. Verset 22, il dit. Fuis donc les passions de la jeunesse. La même chose que vous, non? Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur puisse avoir des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Maintenant, écoutez bien. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que vous devez toujours agir de telle sorte qu'effectivement, que, en espérant, Seigneur, je prie pour que celui-là puisse, ses yeux puissent s'ouvrir, qu'il se rende compte qu'il est sous l'emprise du malin et que si les diables peuvent, si les diables puissent se dégager de lui, effectivement, qu'il revienne à son bon sens, alors il te glorifiera. Alors, c'est cela, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il est déjà dans cet état, je ne vais pas non plus l'enfoncer. Donc, nous continuons ici. Éphésiens, chapitre 6, nous allons terminer ensemble avec vous. Éphésiens 6, c'est cela, oui, aussi. Éphésiens, chapitre 6, voilà. Alors, il dit, verset 14, « Donc, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez donc la cuirasse de la justice. » Verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Alors, c'est important ça. Hein? Chaussure à vos pieds. Vous savez, quand on a les chaussures, effectivement, c'est pour marcher. Alors, toi, tu quittes chez toi pour aller dans la maison d'un frère ou d'une soeur qui était en paix. Quand tu sors là-bas, c'est la flamme.
qui a commencé à pouvoir maintenant consumer là-bas. En fait, partout où toi tu passes, ce que tu laisses, ce sont des cendres, parce que ce sont des feux qui s'allument à gauche, à droite. Et ça, il faut se poser la question. Quand on va voir un frère, on va voir une soeur, ce n'est pas pour lui apporter les nouvelles de tel a dit, ou tel il est. Non, je viens parce que je viens communier avec toi. Je me suis senti poussé par le Seigneur à venir à ta maison, à toi, venir chez ma soeur, chez mon frère, pour avoir un temps de communion. Parce que j'avais tellement soif de te voir. Mais c'est vrai, mon frère. Nous avons le désir de nous voir les uns les autres. Il y a tellement longtemps, je n'ai pas vu mon frère, je voudrais tant le voir, je n'ai pas vu ma soeur, je voudrais tant la voir. Alors je viens pour pouvoir, parce que comme nous étions dimanche, pendant une heure, nous avons entendu la parole, ça brûlait dans mon cœur. Et puis j'ai senti de venir te voir pour qu'on parle un peu de ce que tu as aussi entendu, aussi comme moi j'ai entendu, comment est-ce que tu as compris, finalement, j'étais tellement veilleux. Vous ne parlez pas pour trouver les fautes, mais pour pouvoir vous édifier mutuellement, effectivement. Donc, tu viens même si la personne avait des combats, parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie dans cette maison-là. Peut-être que le frère a passé des mauvais moments au travail avec ses collègues, effectivement, ça a bousculé même sa foi. Il est arrivé à la maison, et puis la colère était effectivement là, et c'est peut-être bien comment parler avec les enfants, et toi, tu rentres dans la maison. Et tu t'assieds effectivement avec un esprit de paix. Tu commences à parler des choses de Dieu avec ton frère. Et ceci et cela. Vous voyez que l'atmosphère va changer. Même si sa foi était un peu vacillante, tu fortifies sa foi. Et c'est ça que le Seigneur veut réellement de chacun de nous. Que partout où nous passons, que nous ne puissions pas laisser la flamme derrière avec les cendres qui brûlent les maisons d'autrui, mais que nous puissions laisser la paix. La communion en disant, Seigneur, merci parce que mon frère là, il est passé. Pas toujours passé, bon, ventre, bon, c'est moule. Non, je pense. Oui, c'est vrai parce que ça arrive maintenant que, il a sonné qui ça? Frère Jean Gabin, lui quand il vient toujours, j'ai besoin de semoule avec les piments, ceci, c'est bon. Maintenant, je suis fatigué, vous comprenez? Donc, quand vous allez, même si on dit, bon, on va. Non, sœur, je ne suis pas venu pour la semoule. Je suis venu simplement, j'ai senti le désir compris un peu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il faut que quand vous allez quelque part, vous vous sentez aussi conduit. Et la Bible dit que mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, n'est-ce pas vrai? De peur qu'il ne soit rassasié de toi. Et qu'il fasse quoi? C'est vrai. Donc effectivement, maintenant, celle-là ne veut pas dire que demain, vous puissiez dire, bon, maintenant, je ne vais pas aller voir mon frère Marcel, parce que si je veux le voir aujourd'hui et demain, ça peut créer des problèmes. Non, frère. C'est simplement pour dire, effectivement, qu'on ne fait pas des choses selon notre pulsion. On fait des choses, effectivement, parce qu'on sent que c'est nécessaire. Il se peut aussi qu'un frère Marcel ait le besoin de pouvoir vous voir aussi, parce que tout le temps. Je n'ai pas entendu amen. Mais c'est vrai. Frère Marcel, je cite frère Marcel, je me demandais frère notre frère Jean Gabin peut aussi être un frère qui a besoin d'avoir son frère ou sa soeur pour parler parce qu'il vient dans la foi. Et il a besoin de voir quelqu'un qui l'aide aussi à pouvoir voir les choses de Dieu, être soutenu par ceci, par cela. Donc c'est quelqu'un qu'il faut, c'est comme les nouveaux qui viennent. J'ai toujours eu à pouvoir demander à mon frère. J'ai dit, mais prenez les noms, les adresses, effectivement. Parce que le nouveau qui vient, il a aussi besoin de pouvoir quand même voir comment je passe. Il ne va pas dire, bon, je ne vais pas le téléphoner, je ne vais pas le voir. Non, c'est un moment où la personne a besoin d'un contact. Régulier avec vous, qui êtes déjà des anciens, pour l'aider. Mais jamais vous le faites, effectivement. Et ça, c'est un défaut que vous avez. Quand quelqu'un vient nouveau, béni soit l'Éternel, on va manger là-bas dans la salle, et puis la personne part. Mais non, ce n'est pas seulement manger avec lui là. La personne a besoin d'un contact, effectivement, pour arriver à pouvoir... Vous vous rendez pas compte, frère, combien les gens ont besoin de pouvoir avoir le contact avec les gens qui aiment Dieu. Si je vous rends témoignage ici, vous allez tomber par terre. C'est vrai. Mais vous, c'est ça, en fait. Souvent, on est tellement recroquevillé à nous. Non, on doit penser aussi qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. C'est sûr et certain. L'autre, là, il a besoin de moi. Donc, s'il faut même que je me déplace pour chez lui, je dois aller. Parce que j'ai quelque chose que je peux lui apporter.
parce que je ne veux pas que mon frère sombre, je ne veux pas que ma soeur sombre, je veux y aller, effectivement. Mais souvent, oh, j'ai travaillé toute la journée, oh, j'ai ceci et cela. C'est vrai, mais tu as travaillé, mais c'est pour le patron. Mais ton patron, Dieu, veut maintenant travailler pour lui. Donc, pour ce patron de la terre ici, tu peux aller n'importe où. Mais quand Dieu te dit, va là-bas, ah non, voyez-vous, je viens du travail, je suis fatigué, effectivement. Mais c'est une âme que Dieu veut que tu sauves aussi. Par ta présence, effectivement, cela. Donc, cette communion, elle est nécessaire. De pouvoir arriver à pouvoir réellement aussi se retrouver, effectivement. Alors, quand, en réalité, ça devient, effectivement, le Saint-Esprit qui vous conduit va vous faire savoir que là, maintenant, il faut quand même restreindre les pieds. Mais quand c'est le temps de pouvoir donner quand même davantage, effectivement, eh bien, donner. Parce que la communion, on en a besoin. Donc, il faut qu'on puisse arriver à voir être équilibré dans le choix de Dieu. Alors, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alors, pour revenir encore là, ça ne veut pas dire, sœur, que quand même, quand le frère vient chez toi, tu te plaignes, oh, il vient toujours pour la semoule. Mais non, gloire à Dieu. Même s'il vient pour la semoule, c'est mon frère. Mais oui, oh, mais je vais préparer maintenant. Si c'était ton oncle qui arrivait à un certain moment, il a dit, ah, oh, oncle, attends, la fatigue s'en va. Tu cours dans la casserole, effectivement. Mais ton frère est plus que ton oncle. Il vient, mais c'est, vous savez, quand un frère vient, j'ai toujours eu à pouvoir dire, quand un frère vient, il va dire, frère, est-ce que tu vas manger? Pose pas la question. Parce que tu dis qu'il va manger les frères, je ne vais pas dire, sœur, je vais manger. Il dit, non, sœur, c'est rien, ne fais pas. Mais il a faim. Je dis, ne pose jamais la question. Frère Jonas vient, dresse-le-moi à la table. Mais c'est vrai, frère. Toi, tu te rends compte, tu demandes, frère, il vient à la maison, frère, ça va, frère, que tu te dis, dis-moi, frère, tu veux que je te fasse la semoule avec les poissons? Et il va te dire, oh oui, sœur. Non, déjà, quand tu lui poses la question, il va sentir. Il va dire, non, sœur, non, sœur, c'est rien, non, rien du tout, un verre d'eau. Mais en fait, tu le rends, il rentre chez lui affamé. Toi, tu as la viande, tout ça. Non, le frère vient, on voit ton empressement. On voit ton empressement, il vient, tu n'as même pas à dire. Il faut, non, j'aime, vous savez, j'aime Abraham. Amen. J'aime Abraham, vous connaissez, c'est ça, la nature de l'enfant d'Abraham, fille d'Abraham. Donc, il voit cette personne, il s'empresse lui-même. Asseyez-vous, je vais vous laver les pieds. Ils n'ont pas demandé, lave-nous les pieds. Non. Il avait dit, bon, vous passez chez moi, vous voulez quoi? Je vous lave les pieds, là. Hein? Vos pieds, là, vous voulez... Non, il dit, asseyez-vous, reposez-vous. Je vais, moi, vous laver les pieds. Amen. On voit la personne avec empressement. Mais c'est vrai, s'il demandait, mais non, Abraham, ne te vis pas. Mais là, on voit qu'il... Et puis, ils n'ont pas dit, donne-nous les... Hein? La viande de l'air. Alors lui-même, il dit, hey, Sarah, la bonne viande, là, la bonne viande, là. Il le regardait, il dit, cet homme ici, vous savez, Dieu était, vous savez, on l'a lavé les pieds, il a mangé la viande, la bonne viande. Et puis il dit, aïe, là, qu'est-ce que je vais faire pour Abraham? Alléluia. Amen. C'est ça, mon frère. Vous voulez la bénédiction de Dieu? Donnez la semoule à cet homme. Il mange bien son ventre là, il s'assied et dit, Seigneur, bénis ma soeur Marie Chantal. Oh, bénis ma soeur Bambino. Bénis ma soeur Tel, effectivement. Pourquoi? Et quand il dit ça, il est heureux. Il dit, je suis content. C'est comme ça que Dieu a béni Abraham. Que Dieu soit béni. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir pour la grâce que tu t'es nous accordée. Jamais tu nous as abandonnés, mais tu nous as toujours conduits et éclairés. Et nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et pour ce que tu fais pour nous, Père. Là où nous avons failli, que tu nous pardonnes, Père Dieu. Que ton ange à toi puisse encore conduire encore davantage, Père. Instruis-nous, Père, parce que nous voulons être des instruments pour toi aujourd'hui encore, mon Sauveur. Je te demande grâce, je te demande encore ton soutien et ton pardon, Père Dieu. Puisses-tu encore nous aider, mon Sauveur. Ah, nous te supplions de pouvoir nous accorder ton secours, Père. Tu veux que nous soyons revêtus, Père. Oh, Jésus. C'est vrai, Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon Sauveur béni. C'est vrai que les heures sont tellement aussi courtes, mon Sauveur. Bénis la maison de ma soeur et de mon frère et des enfants qui aiment tant ta parole, Père. Merci pour chaque frère et chaque soeur encore aujourd'hui, ce soir, en cet endroit.
et aussi nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion ce soir, dans chaque lieu, dans chaque pays, mon bien-aimé Père Saint, combien nous sommes vraiment heureux, touchés de voir que des enfants de bas âge s'accrochent vraiment à ta parole, à toi, Père. Bénis aussi nos enfants ici, Père, et nos frères. Ce soir, tu nous as aimés encore, Père, tu me sens par ta parole merveilleuse, mon bien-aimé Père. Nous voulons tellement y rester, Père, oh Dieu. Puissions encore nous éclairer encore davantage et nous instruire, mon Sauveur. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Pardonne-nous encore, mon Père Saint. Nous avons soif, Seigneur. Renouvelle encore nos sentiments, Père. Les uns avec les autres, mon bien-aimé Père Saint. Et nous sommes heureux d'être appelés de ton Saint-Nom, Père, de pouvoir réellement te servir encore. Bénis mon frère et bénis ma soeur, mon Sauveur. Et soutiens chacun de nous encore aujourd'hui. Merci. Merci, mon Sauveur. Je t'aime, mon Père. Et je rends gloire à ton Saint-Nom encore ce soir. Aide-nous encore, Père. Aide mes frères et sœurs qui sont venus de loin, de Charleroi, de partout, mon bien-aimé Père Dieu, de Louviers. Seigneur, de loin, pour pouvoir te rassembler en ces lieux, pour pouvoir te louer, entendre ta parole à toi, Seigneur, sur le chemin de retour, qu'ils soient aussi bénis, Père, de toutes les contrées qui sont venues, mon bien-aimé Père Saint. Qu'ils soient aussi bénis, mon Sauveur béni. Chaque endroit dans ce pays, Père, nous rendons gloire à ton nom. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Oh Dieu, souviens-toi de ces âmes qui ont besoin de toi, Père Saint, qui soupirent après toi, Père. Et nous pensons à toutes ces âmes, mon bien-aimé Seigneur, qui désirent tant que tu puisses agir aussi dans leur famille, leur foyer. Louange et honneur à toi. Merci pour ce soir. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour tes compassions. Je t'aime, mon Père. Continue encore d'agir parmi nous et nous aider encore davantage, Père. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance, mon Sauveur. Sois adoré et sois glorifié. Nous te remercions, Père, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint. Rends la gloire à ton nom. Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, mon Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour cette grâce, Père. Merci encore. Et à cause de ton Saint-Nom, aide-nous encore, Père. Merci. Dieu vous bénisse. Il y a un cantique que je voudrais que nous chantions. Mon précieux frère, tu peux venir. Je crois que ça doit se trouver dans le recueil Cœur et Cantique, je suppose. Seigneur, attire mon âme près de toi. Tu connais, non ? Dieu te bénisse. Seigneur, c'est le numéro 204, L de la foi. Alors la chorale va se lever, on va chanter avec la chorale, puisque dans la salle, on n'a pas les paroles.
péché. Ronge mes lances pour t'obéir. Ronge ma vance pour te servir. Toi qui as subi tout ce mal, Seigneur, nous te disons merci, merci, nous te disons merci, merci, car tu as pris tout. Tu as pris tout nos tristesses, car tu as pris tous nos soucis, car tu as pris tous nos problèmes. Seigneur, tu as pris tous nos
car tu as pris tous nos problèmes. Merci. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Non, dans la paix du Seigneur, retrouvons-nous le jeudi. D'accord. Thank you.
Yeah.